tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 30 août 2023, 15h42, heure du Québec. Merci d'être avec moi, encore une fois. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est vraiment très apprécié. On vit une époque, ce qui s'en vient, il n'y a personne de nos prédécesseurs, de nos frères et sœurs qui ont foulé cette terre avant nous, qui ont vécu ce qu'on va vivre, pour naturellement des raisons évidentes. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de connexion. Plus tu remontes dans le temps, plus le monde était isolé. Là, maintenant, on sait ce qui se passe partout. On voit ce qui se produit avec l'élite qui est devenue de plus en plus puissante dans un monde technologique, dans un monde industrialisé. Hein, depuis 200 ans, on voit la richesse qui est arrivée avec ça. Et, à vrai dire, c'est hallucinant de voir ce qui s'en vient. On a vu ce qui s'est passé avec nous, comment les gouvernements sont devenus gros, comment les gouvernements nous ont avalés, comment les gouvernements nous ont exploités, comment les gouvernements nous ont taxés, comment les gouvernements nous ont réglementés, les citoyens, comment ils nous ont encerclés, comment ils nous ont déplumés de nos droits et libertés d'année en année, d'élection en élection. Puis sans exception, tous les partis politiques sont contrôlés par l'élite. Et on le voit, c'est de plus en plus évident maintenant, et nos politiciens sont comme nos propres ennemis. C'est assez hallucinant. On vote pour eux, mais ils se retournent toujours contre nous. Les médias sont les ennemis, même si tu ne veux pas l'admettre, les médias sont les ennemis du peuple, parce que, naturellement, c'est l'arme dont dispose l'élite pour te mentir, te manipuler, t'endoctriner à longueur de journée. Donc, c'est encore étonnant qu'il y ait du monde qui, encore, prenne les médias au sérieux, mais en tout cas, il y en a de moins en moins. Donc, tout ça se déroule devant nos yeux, mais on est impuissant parce que il n'y a personne qui est là pour te défendre vraiment. Ils sont tous dans le même bateau, ils sont tous dans la même gang, c'est toute la même famille. Et là, il y a un certain Donald Trump qui est arrivé de nulle part en 2015, 2016, s'est fait élire président, puis il a surpris toute la planète, mais surtout le système, puis il a causé un nombre de chocs. Tout le monde était en hystérie totale. Il n'avait même pas été encore assermenté qu'on annonçait la fin du monde, la guerre nucléaire, puis tout ce que tu peux imaginer. Naturellement, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Ça a été le bonheur total pour le petit monde, la classe ouvrière, qui s'en est bien tiré avec le gouvernement de Donald Trump, qui a eu des baisses d'impôts. C'est les plus riches qui en ont eu plus, c'est toujours comme ça, mais au moins la classe ouvrière en a eu aussi. Il a attaqué différents concepts diplomatiques qui sont d'une insignifiance, puis d'une autre époque, puis d'une hypocrisie totale. Il n'a pas écouté ses services de renseignement quand il lui disait « La Russie, ils sont méchants, ils sont derrière tout, ils ont manipulé l'élection, puis il ne les avait pas écoutés. » Et avec raison, parce que ça s'est avéré un mensonge. Il a dérangé toute la classe politique mondiale, s'est attaqué à l'OMS, s'est attaqué à plein d'autres organismes. Il a fait beaucoup, 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 beaucoup de vagues en 4 ans. Et on n'avait jamais vu ça d'un président. Pas d'un politicien, parce qu'il n'est pas vraiment un politicien de carrière, mais un président qui avait fait autant de vagues. On se dit, mon Dieu, c'est assez hallucinant. Mais, en plus, il aimait ça exciter le monde. Il attaquait les gens. C'est rare que tu voyais un président qui attaquait comme ça, qui était d'attaque. Surtout vers des franges qui sont complètement gaga de nos sociétés, surtout les franges de la gauche, qui sont de l'extrême gauche, qui sont, ou de la gauche, extrême gauche, qui sont assez irrationnels, disons. Et là, après ça, il y a eu la fameuse élection pandémique, avec beaucoup, beaucoup de votes par anticipation, beaucoup, beaucoup de votes par la poste. Même la France avait déjà essayé ça, ils ont banni ça parce que ça donne vraiment beaucoup trop d'opportunités à la fraude. D'abord, tu n'as même pas besoin, en 2020, ils ont caché l'histoire de Hunter Biden et Joe Biden et de la corruption. Les médias ont dit, c'est encore de la désinformation russe, alors que c'était complètement mensonger. Ça, c'était avéré vrai. Et on voit maintenant tout ce qui est déballé sur le scandale
la corruption de la famille Biden, c'est comme, tu peux même pas y croire tellement c'est gros, mais c'est là puis c'est vrai. On avait caché cette histoire-là, on avait banni le New York Post, on avait banni tous ceux qui voulaient republier puis repartager ces histoires-là puis en parler, surtout avant l'élection. Il n'y a pas eu vraiment de débat pendant la campagne électorale. Joe Biden a fait campagne dans son sous-sol. C'est les médias qui ont fait campagne pour lui. C'est assez hallucinant quand tu vois tout ton groupe médiatique qui fait campagne pour un président qui représente l'élite, qui représente le globalisme, qui représente la division totale de la population américaine. C'est les médias qui font ta campagne électorale pour toi. Ça t'en dit beaucoup sur la qualité des médias, puis de leur honnêteté. Là, ça t'amène après ça à la défaite que Donald Trump n'a pas reconnue, puis il y en a plein qui ne l'ont pas reconnue. On t'avait dit que c'était l'élection la plus sécuritaire, mais c'était un gros mensonge. Et est arrivée la présidence de Joe Biden, et ce qu'on a vu de son résultat de présidence, ça n'a pas été long que l'empire du complexe militaro-industriel s'est remis en marche avec ce qui se passe en Europe et ailleurs, tu l'as vu. Et toute l'agenda complètement gaga gauchistoïde, hallucinant, que ce soit de bannir les tondeuses à gazon, bannir les barbecues, les charcoals, bannir les cuisinières au gaz. C'est comme du n'importe quoi, tout pour attaquer le petit monde, pour te donner l'impression qu'ils font quelque chose pour l'environnement. Là, tu as le complexe militaro-industriel américain consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par année pour alimenter ses navires, ses véhicules, ses avions, ses opérations. C'est comme, what the fuck? Mais c'est pas grave, c'est pas important. Hein? C'est qu'on veut attaquer le petit monde. Donc, pendant ce temps-là, tu as un dénommé Donald Trump et les conservateurs, surtout, qui sont en train d'élaborer, eux autres, c'est le Los Angeles Times qui nous rapporte ça aujourd'hui, que des groupes conservateurs élaborent un plan pour démanteler le gouvernement américain et le remplacer par la vision de Donald Trump. D'ailleurs, avec les quatre accusations en ce moment simultanées de Donald Trump, ça va être assez hallucinant de voir Donald Trump probablement avoir la nomination, puis être en procès, puis peut-être être même condamné, mais ça va aller à la Cour suprême. Et ça sera probablement toute défaite à la Cour suprême parce que c'est juste la politique, c'est le gouvernement, l'État profond, les médias, les opposants de Donald Trump, puis ceux même qui ont porté les accusations, qui sont des opposants de Donald Trump, qui ont agi de façon totalitaire, comme dans une république de bananes. Donc la Cour suprême va sûrement, même s'il était condamné, même ce qui serait étonnant, là, mais tu sais jamais, parce que les juges qui ont été nommés pour ces procès-là, c'est tous des juges nommés par Obama, c'est tous des juges gauchistoïdes, anti-Trump. Donc ça se peut qu'il soit sûrement qu'il va être trouvé coupable, peut-être des quatre, mais ça va se retrouver en Cour suprême. Donald Trump est au plus haut dans les sondages. Plus ils amènent d'accusations, plus les Américains se disent, ouais, comment? C'est du n'importe quoi. À plus d'un an des élections de 2004, nous raconte le Los Angeles Times, une constellation d'organisations conservatrices se prépare à un éventuel second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, recrutant des milliers d'Américains pour venir à Washington avec pour mission de démanteler le gouvernement fédéral et le remplacer par un gouvernement fédéral avec une vision plus proche de la sienne. Dirigé par le groupe de réflexion Heritage Foundation et alimenté par d'anciens responsables de l'administration Trump, cet effort de grande envergure est essentiellement un gouvernement en attente du retour de l'ancien président ou de tout candidat qui s'aligne sur ses idéaux et qui peut vaincre le président Biden en 2024. Avec un manuel du projet 2025 de près de 1000 pages et une armée d'Américains, l'idée est de mettre en place dès le premier jour de l'infrastructure civique pour réquisitionner, remodeler et éliminer ce que les républicains qualifient de bureaucratie de l'État profond. Mais c'est vrai, le FBI et la CIA, le département de justice, ont été militarisés, politisés.
C'est une république de bananes qui fait ça. Ils s'en vont après leurs citoyens, ceux qui ont tous été identifiés comme des pro-Trump, qui envoient le fisc, qui envoient le FBI, ils les harcèlent. C'est hallucinant. C'est comme une chasse aux sorcières. Et Donald Trump les avait prévenus. Il a dit, là, ils sont après moi, mais après ça, ils vont venir après vous autres. Puis ils sont après le petit monde. C'est complètement hallucinant. Donc, c'est certain que les gouvernements, maintenant, ne représentent plus leur population, le peuple. Le gouvernement français ne représente pas les Français, le gouvernement canadien ne représente pas les Canadiens, le gouvernement québécois ne représente pas les Québécois, le gouvernement allemand ne représente pas les Allemands, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les seules places où tu vois que le gouvernement représente vraiment sa population, c'est dans ce qu'on appelait avant les pays totalitaires. Quel renversement! C'est assez hallucinant. Donc, c'est certain que... D'ailleurs, juste un complexe militaro-industriel qui vient sucer des trilliards de coins, trilliards de dollars, il faut que ça soit éliminé, ça. Comment ça se fait qu'on garde ça, le complexe militaro-industriel? Comment ça se fait qu'on garde toute cette folie puis qu'on en dépense tellement d'argent là-dedans? Donc, ce sera intéressant de voir ce qui va arriver. On veut démanteler le gouvernement fédéral pour en faire un, peut-être, à l'image du peuple, plus proche du peuple. Parce que toute l'agenda gauchistoïde LGBTQ+++, ça représente même pas 0,5% de la population. Puis il n'y a personne qui est d'accord avec ça, mais les médias, ils font tourner cette histoire-là sans cesse, en laissant croire que, mon Dieu, le monde est derrière ça. Tout le monde parle en notre nom, toujours. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, ça. Ça va être très intéressant de suivre cette élection 2024 qui va arriver en 2025 avec la nomination et l'assermentation. 2025, une année importante où tout devrait s'écrouler. Donc, 2025, peu importe ce qui va arriver, c'est l'écroulement total, même si c'est Donald Trump, parce que tu vas avoir un effondrement des courants de jet, tu vas avoir un effondrement de la société, tu vas avoir un effondrement du modèle climatique actuel, et on s'en va vers d'énormes cataclysmes. Donc, en ce moment, tu te demandes pourquoi il y a autant de distractions, c'est parce qu'ils savent que 2025, maintenant, c'est ça la date qu'il faut retenir, c'est la date où tout va s'effondrer, et ça donne un indice que même le projet de Donald Trump s'appelle le projet 2025. OK? Wow! Je ne sais plus quoi dire, mais attache ta tuque. OK?